Après avoir visité les familles qui ont perdu leurs membres lors des échauffourées qui ont causé la perte en vies humaines et plusieurs blessés, sans oublier les dégâts matériels, à Bouéné dans le groupement Moniga en territoire de Nyiragongo, l'honorable Patrick Munyomo, député national élu de la ville de Goma, faisant partie de la suite d'une forte délégation dépêchée par les institutions au niveau national, s'est dit très choqué du fait que la vie humaine n'a pas de prix. Toujours à l'écoute des citoyens minuscules, le Mutoto à Goma, honorable Patrick Munyomo, dans sa causerie morale avec ceux qui ont perdu les membres de leur famille dans les troubles dont l'origine est l'assassinat d'un taximen motard, l'élu de Goma a souhaité de ne plus attendre les troubles entre les familles vivant depuis les longues dates dans une même contrée, car la paix est le socle du développement. Le message est simple, c'est le message d'apaisement. Vraiment, ce qui est arrivé ici, c'est choquant. C'est très choquant et ça ne valorise pas la province. C'est vrai, nous vivons maintenant dans une insécurité terrible. Heureusement que le chef de l'État nous avait promis qu'il allait revenir pour suivre de près ces problèmes de sécurité. Je vous confirme que le chef de l'État va revenir et nous serons à côté de lui. Nous allons l'accompagner. Nous l'accompagnons toujours. Nous sommes derrière sa vision. Il va revenir ici et espérons que nous allons trouver des pistes de solutions ensemble pour que la population puisse vivre en paix, pour que la province du Nord Kivu puisse respirer l'air de la paix, afin que notre province se développe.